Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17, l'aventure de Nicolas Torres, avec une nouvelle rencontre face à Angers. On va tenter de gagner cette fois après le match nul de hier. Allez, on va tenter de réussir le petit défi. Ah, oui. Allez, on est toujours devant. Oh non. Ah. Un. Et le but. Nickel. B. C'est pas mal, c'est pas mal. Bonjour à vous, bonjour Pierre. Bienvenue pour cette rencontre. Bonjour Hervé, c'est un plaisir d'être à tes côtés. Et dans ce match, nous retrouvons Toulouse face à Angers. Que vous découvrez sous la composition de cette équipe de Toulouse. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. Bon, c'est fini le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Voici les joueurs alignés du côté d'Angers aujourd'hui. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. Bon, c'est fini le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Et la touche là, ce sera... Ouais, bien joué, parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Sono. Vincent Monceau. Allez, Saï en position du ballon. Martinez, le dégagement. Ouais, c'est mal joué. Et il est hors jeu, le joueur en jeu 20. Ah! Redoublement de passe pour créer de l'espace. Yann Bolliger. La bonne passe dans l'espace. Attention. Bien repoussé par la défense. Allez, je vais au pressing. Ah non. Ouais, il a anticipé la trajectoire, ah. Il a bien intercepté. Jamel Saï. Allez, Saï. Et la récupération de Diop. Changement de possession. Gordillo, oui, qui décale pour Durmaz. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Oh oui, la bonne option. Ah dommage. Pas de prise de risque, ballon dégagé. Dommage, dommage, c'était bien tenté. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Oh, excellent tacle qui nous permet de récupérer cette balle. Ah, j'ai cru que j'étais blessé. Mais non. Ah non, il rentre le ballon à l'adversaire là. Dominique Furman. Ils enchaînent les passes, le décalage qui va sans doute venir. Ah, ça circule très bien. Hein. C'est, ah, c'est le bien joué. Centre. Et Michel. Ou Mitchell, je sais pas. Suivant la. Le ballon qui sort. Touche. Allez, la touche là, pour les Angers. Allez, qui va reprendre ce ballon. Allez. Ouf, ça va être compliqué là. Allez, ouais, ouais. Ça c'est bien taclé. Ouais, le gardien qui hors-jeu. Il n'y a plus que lui. Non, la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. Ah ouais. Dommage. Un petit peu trop d'avance. Et les Toulousains qui retrouvent le ballon. Peut-être une bonne opportunité, attention.
Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Avec un tir. Ouh, aïe, 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 aïe. Pourtant dans une situation idéale pour marquer. Peut-être une légère hésitation au moment du dernier geste. Ah, c'était bien joué. Ah, il la touche pas. Torres. Ah, peut-être une bonne occasion. Un excellent passe. Ah, dommage. Super bien défendu, mais le danger qui est toujours là. Ah, il ne se relève pas après ce gros tacle. Le tir. Et le but. Et voilà, ils sont devant. Le 40e de Torres dans sa carrière. Un superbe, hein, tout en précision. Le coup de filet imparable. Oui. Son 15e but en Ligue 1 cette saison. D'ailleurs, il file au vestiaire, à mon avis, tout de suite pour faire un premier diagnostic avec le médecin. Mais déjà, t'as raté. Alors qu'il y avait sûrement une faute sur Jamel Saï qui se blesse d'ailleurs. Deuil. Il tacle. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Yann Bolliger. Ousmane Traoré. Mauvaise passe là. Ouais. J'ai fait une passe incertaine. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Allez, le dégagement du gardien. Yann Bolliger. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Et la touche. Et, voilà, et la mi-temps. De jouer dans ce match. 1-0 pour le TFC avec le 15e but de la saison de Torres en Ligue 1. Qui se prépare et qui va être effectué. Furman qui sort. L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Et ça repart à l'instant. Attaque trop. Ouais, la bonne circulation du ballon. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Allez, qui va reprendre ce ballon. Deuil. Endeuil. Et le dégagement. Vous assisterez à un quart de finale de Coupe Nationale avec cette rencontre. Le Toulouse Football Club accueillera l'AS Monaco. Et un match que nous essayerons de vous faire. De la tête. Ouah, non. Cette tête ne sera pas cadrée. Il a manqué quelques centimètres. J'ai été arrêté aussi. Cette tête était compliquée. Ross. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Fais ta passe, on joue une deux. Il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Et il est dépossédé du ballon. Oui. Et la bonne anticipation sur ce centre. Ah donc. Allez, faute, oui, faute bien et coup franc, ça peut être dangereux. Là, donne-moi là. Non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Aïe aïe aïe. Allez, le drapeau, c'est il était hors jeu de toute façon. Un peu trop tôt. Oui, il est hors jeu, bien sûr. Il n'y a même pas besoin de le ralentir. Christopher Julien. Ah, on ne laisse pas ça. Il a tourné, mais finalement, il perd le ballon. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, dommage. Non, c'est pas bien fait ça.
Baptiste Santamaria. Ah donc, allez Manceau. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. C'est ça. Sono. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Peut-être une bonne opportunité. Allez, attention. Torres sur le côté. J'ai un peu raté mon dribble. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Ah, encore. Tiens, qui met c'est les stats, pas grave. Pierre, on récupère. Oui, oui, c'est une stat logique, hein. C'est extrêmement équilibré, Hervé. Lycia Gassila. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. L'attaque enrayée par la défense. C'est vrai que là, j'étais pris. Baptiste, c'était compliqué. Attention, ça peut être dangereux. Attention, le centre. Là, c'est pas très bien centré. Et Julien. Le défenseur est le premier sur ce ballon. Bah, ce c'est ballon quoi peut cette être passe intercepté. Ils font tourner. Allez, sous nous. À l'affût de l'ouverture. Elle parvient à stopper cette offensive. Et la fond. Baptiste Santamaria. Ah. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Allez, Santamaria. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Le score qui est de 1-0, la rencontre qui touche à sa fin. On peut déjà penser au prochain match de cette équipe, c'est quoi déjà? Le TFC doit affronter l'AS. Oh oui! Ah, dommage, Guardiola. Il reste 6 minutes, 6 minutes à jouer. Romain Thomas, Torres, ah, il est à l'interception. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet, il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Ouais, la frappe. Oh oui. Oh, Akpak Pro devrait être un petit peu qui plus double la mise avec ce but. Pour le TFC dans le temps additionnel de cette rencontre. Allez, sinon cette équipe, elle ne veut rien lâcher dans ce match. Pro cette saison. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Attention, il y a un peu d'espace. Il a marqué 2, il a dit 3. C'est un centre. Et il contre ce centre. Ça. Et voilà, la victoire c'est toulousaine. À 2-0. Et un but. Passe court toulousain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, l'entraînement, et puis on se laissera pour se retrouver demain. Ah, on n'y est pas loin, on n'y est pas loin. Eh bien, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde.